Ok. Ok, bon là, oh, ça va commencer là. Oh, j'ai hâte. Il va y avoir du Snake et j'ai pas vu c'est qui l'adversaire, donc on va découvrir en direct. Pyramitra? Ok, Pyramitra Snake, c'est parti. Oh là là. Oh là là là, ça part, ça part. Et c'est du. Ok, Resimp. Ah non, ok, j'ai pas vu le pseudo en haut. Donc c'est du Jouarts contre Phoenix. Alors là, ça va être du lourd là. Du Snake, du Pyramitra. Non, franchement, ça. Okay. Bon, alors, on peut voir, ouais, la Phoenix déjà. Ouais, là, il fait pleuvoir les grenades. Hein. Bon, on attend ça d'un Snake, c'est normal après tout. Ok, bon. Aïe, c'est vrai que putain, ça met quand même de sacrés dégâts hein, les grenades. Hein. Ok, hop. Ok, là, dash attack. Une tentative de spike. Ok, mon neutral beat. T'as un neutral beat. Oh non, dommage. Tentative de tech chase, mais qui n'a pas abouti. Ok, side beat de Pyra. Ouais, ça en vrai, ouais, les Snake Bugs font beaucoup les. Ouais, tu vois, les Irikoko et après il faut une air dodge pour ça ou les reverse bill avec les grenades. Ça rajoute une belle mobilité, je trouve. Ok. Non, par contre, on peut voir pour le moment, le joueur, ça a le lead. Hein. Il a clairement le lead, c'est. Et bah, c'est. Après, c'est peut-être le match-up aussi, qu'il y a pas, parce que Mitra a quand même une mobilité effrayante. Oh, par contre, oh là oh là là, ça fait, c'était pas mal ça, là, le C4 paire. C'était pas mal, c'était bien trouvé. Putain, là, j'ai vu un truc, hein. Je m'étais dit, il y a moins de faire quelque chose. Du coup, entre-temps, il a vidé en sweep sur. Oh, ok, le downer bien trouvé, bien vu ça, bien vu. Et du coup, ambitieux, je dirais. Il reste. Ok, l'optimaire qui faut encore up. Je sais pas si c'était. Je sais pas si utiliser le Sabi comme ça avec. Pyra. Ouais, après, peut-être qu'il y a eu une tentative de read sur le niveau de la position. Par contre, ça a failli shield break là. Oh là 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 là. Et là, ça aurait mis fin à la stock évidemment. Ok, bon, bah, pas besoin de shield break. Allez, un petit upper et c'est carré ça. Ok, donc. Ok, en termes de stock, c'est bon even. Mais bon, le Snake a pris un bel avantage. Ah ouais, bon, par contre, joueur, si tu tapes dans la grenade, oui, forcément. Voilà, ça tape dans la grenade là. Le C4 était bien. Franchement, c'était bien vu. Oh là là là, ça juggle bien là. Ok. Et ça refoule sur Mitra. Ça va certainement retrouver des pourcents, voire peut-être. Ok, non, j'ai rien dit, ça repasse. Mais ouais, c'est plus stratégique de passer sur Pyra à ses pourcentages. Ok, le backer de trouvé. Ok, l'edgeguard de Onikita. C'était bien. Et oh, hop, le meilleur up smash du jeu, évidemment. Hein, non, je l'up tilt évidemment, mais bon. Franchement, au niveau de la puissance, on pourrait presque considérer ça comme un up smash, hein, la vérité. Hein. Non, en vrai, c'est que c'est pas facile à taper, parce que. Truc, voilà, tu vois, exactement, c'est ce que j'ai dit. Il tient la grenade, tu l'attaques. Ok, le F-Smash c'était très 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 ambitieux cette fois. Ok, le. Ouais, bon, FB off the shield. Hein. Bon, à un moment donné, fallait bien en voir. Hein. Ok. Mais en tout cas, non, là on a. Ouais, sacré avantage de la part de Phoenix. Ok, tu vois, ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Snake, c'est trop dur à taper. Hein. Le truc, il a ses grenades. Donc, même tu. Voilà, en fait, t'es puni pour jouer, tu vois. Mais bon, pour ça, voilà. Là, c'était bien, là, il avait pris la grenade. Ça c'était bien, très bien même. Ok. Non, là tu vois, là, le Snake là, il tient le milieu du terrain, mais il le tient bien, tu vois. Oh, okay. C'est le Farsight ça, je crois, ça s'appelle en anglais. Ok. Ok, ça a été bien trouvé, bien. Par contre, 142%, là, ça va être là. Oh, le neutral B. Oh! Oh non, non, ça. Oh la dinguerie, ça a failli. Ah bah, c'est terminé. Ok, le nerf. Putain, là. Oh là là, on a failli assister à une dinguerie, là. Ok, ok. Première game prise par Phoenix. Putain, c'était bien vu, ça. Non, en vrai, c'est dommage, hein. Dommage, ça a tapé le Cypher, mais. Non, putain, c'est. Enfin, je pensais que ça l'aurait pété, tu vois, le Cypher. Mais bon. Putain, en tout cas, non, Jouart, ça nous a fait une game. Bonne game. Bonne game, étonnamment. Pas étonnamment.
sans vouloir le sous-estimer. Évidemment, après, je sais que je connais pas forcément le joueur, donc. Mais en tout cas, non, très belle première game. Hein. Peut-être qu'on va avoir une deuxième game. Ouais, peut-être que. Là, on va avoir une deuxième game de ouf, encore une fois. Hop, bonsoir. Bon, alors, est-ce que joueur va reprendre Fire Mitra ? Qui a l'air d'avoir une hésitation. Non, pas d'hésitation. J'ai rien dit, c'est bon. Eh ben, allez, c'est parti. Par contre, j'ai pas vu sur quelle map. Parce que je parle, mais. Et on a un jeune spécimen qui rejoint le cast. Le temps de mettre le micro. Bon, le micro est pas mute. Normalement on m'entend. Bon, je sais absolument pas où l'accrocher, mais peu importe. Ah, par contre, low batterie, merde. Ça, j'ai pas vu. Ah, ça serait ouf. C'est parti. Alors, par contre, j'ai pas regardé les billets, merde. Alors, on gagne les pourcentages. C'est bon. Bon, donc effectivement, j'ai un petit peu regardé le début du set, du coup, je vais pouvoir dire. J'ai deux trois trucs à dire. On a ouais. D'un côté un Durant qui bouge assez bien, et ça lui réussit plutôt bien. Il esquive bien. Bon, vous me fait mentir, mais il esquive plutôt bien les projectiles de Snake. Il arrive plutôt bien à camper quand il faut, il arrive plutôt bien à abuser de sa mobilité quand il faut, ouais. Et à mettre une bonne pression. Seul problème, il se précipite beaucoup en avantage. Quand il veut le kill, il le veut très fort. Ça se comprend. Ça en balance des hobbies, des smash, et malheureusement, bah, faut savoir rester patient, même en avantage, même quand votre adversaire a 200%, même si là on n'en est pas encore là. Et que Snake est à kill percent. Et... Ok, d'accord. Ah là là, ok, non, c'était bien vu ça. C'était bien joué, il a... J'aime bien ce qu'il va faire parce que bon, le meilleur up smash du jeu. Ça hein. Se libère tout de suite, mais effectivement, on a un bon ledge trap de la part d'autres joueurs. On a vraiment. Ah, il a crouch pour éviter la grenade, ok. C'est simple, efficace. Ouais, pourquoi pas. En plus, le crouch de Snake, c'est un vrai crouch. C'est pas juste. Oh, c'est un petit peu. C'est très 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 fort. Il y a vraiment un. Ah, c'est vraiment une excellente deuxième. Ça permet dans certains matchs de se faire un nombre de coups incalculable. Et... Ah, bonsoir. Ah, mais juste, il y a batterie faible par contre sur celui-là. Non. Ouais, c'est. C'est pas la folie. Alors. Okay. Ouais, voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure, le problème c'est que Snake est dur à taper. Hein, parce que tu tiens une grenade. Il faut vraiment être rigoureux sur ses combos, pas overextend, parce que bon, voilà, une grenade ça sort très très vite. Et ça permet de très bien sortir des combos. Et ce up B qui était vraiment pas mal trouvé et qui. Alors je suis un peu surpris par ce qui vient de se passer, mais là. C'était chelou. Ouais, c'était très étrange, mais en tout cas le. Oh là là, ok. Alors, ça fait beaucoup de choses étranges qui se passent, mais pour l'instant ça réussit bien à voir, ce qui réussit à remonter un petit peu malgré le retard de pourcent qui va gratter. Ok, un peu phase. Plus de pourcent. Oh, ouais, il y avait une grenade. Et oui, vraiment. Enfin, c'est dur. C'est chiant. C'est infâme, même on peut le dire. Hein. Ah non, ici, on est en France, on parle français. Wouah! C'était quelque chose là! Chaud, oh, ah! Mais non, même pas! Oh la dash attack! Attends! Oh, oh, je suis pas objectif, je m'en fous! Oh, les là, oh là là là! C'est beau ça! Ça, ça c'est le smash bros que j'aime ça! Ça c'est les spikes, moi! J'aime quand ça spike! Comme ça là! Oh! Bon, c'était bien joué de sa part, même si les hitbox de deux persos hein, dégoûtent toujours. Oh là là là. Mais, là. C'était bien joué. Phoenix s'est fait un petit peu surprendre là-dessus. Non, c'était. Putain, du coup, 1-1. Et je l'avais dit en plus, hein, je disais à tout moment, une deuxième game, là. Ils nous ont proposé une de ouf. Hein. À tout moment, une petite troisième game et c'est parti. Ah, ça joue sur peut-être l'Obastion, pas l'Obastion, non. Ça joue sur Magicant, ouais, la célèbre map compétitive du jeu vidéo. Ouais, ouais. Ah, peut-être la Hilax, non. Ah non, à mon avis, de dire je banne ça. Ouais. Je pense. Ah non, oh, le PS2, ça après. Oh putain. Peu importe ma foi, mais en tout cas, ça part sur PS2. Je suis assez curieux de voir comment voir s'il va continuer de jouer parce que là, cette game, ça va faire beaucoup de bien. Il va être très content d'avoir trouvé ce spike. Et je pense que là, ça va être le moment de changer de rythme pour les deux joueurs. Est-ce qu'on va avoir un Jouard qui va peut-être jouer plus lentement ou est-ce qu'il va continuer d'être vraiment agressif et de mettre une bonne pression à ce Snake? C'est ce qu'on va voir. Ouais. On va voir ça tout de suite. On a une map un peu plus grande. On a des espaces. On peut. Moi, c'est map que je banne en général quand je joue contre Snake parce que les plateformes sont trop bien couvertes, tu vois. Le petit qui fait des ravages, le C4 qui fait trop bien la plateforme. Par contre, là, il nous a proposé une belle phase là avec. Ok, smash, ça commence. Deuxième ça. Allez, deuxième smash, c'est parti, allez. Je vous dis le tips. Oh, je suis mort. Vous voyez cette taunt, c'est pas juste du taunt. C'est une taunt là en fait, c'est une taunt qui a très très peu de lag et ça permet premier degré de surprendre en fait. Wow, d'accord. C'est un vrai truc. Ah ouais. Bon, vous verrez pas d'autres pyramides à faire ça, je pense. Ok, mais... oh, alors là ça repart. Là c'est. Ah, c'est...
Ok, non, là, en termes de pourcentage, ok. Non, 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 mais non, 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 non. Ah, ça survit. Oh, oh là là, la dingue. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Moi, je suis calme. Ça me ah non, ça, essaye la flash, la grenade. En tout cas, je pense qu'il a répondu à mes questions. Il ne compte pas jouer plus lentement. Ah ouais, non, non, là, ça veut trouver le kill, ça veut mettre du rythme. Ah oui, non. Et pour l'instant, c'est le récit plutôt bien, même si. Ah, oh, même si c'est chaud un peu quand même. Ok, alors attention. Ouais. Pardon. Mais on a fini, il va vite devoir remonter cette stock-là, parce que c'est très très vite. Quand ça va vite comme ça, c'est dur en fait en tant que joueur de se remettre dans le bain, de quand même réussir à réfléchir, à se dire comment je vais m'adapter. Non, il a, oh non, voilà. Il a oublié le CK. Ça devait faire du bien à Phoenix. C'est dommage. Oh, 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 ok, 30%, 41%. Alors, dash attack, le shield. Oh là 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 là. Ok. Oh là 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 là, c'est bon. C'est de nouveau event. Phoenix a trouvé une très 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 bonne place. Oh non, oh le C4. La dingue. Ok. Ah ouais, non, là tu vois, la Phoenix, là il est bien bloqué sur la gauche du terrain. Et il a raison. Il met une belle pression. Oh, par contre, oh, c'est dangereux cette. C'est... Oh là, ok. Tiens, c'est dangereux, hein, il était bien sur le C4 là. Mmh. Après, bon, il avait pas trop de risque. Ouais, mais quand même, on sait jamais. Quand Snake est sur le C4 aussi, en général, il est pas trop. Voilà. Mais non, mais. Ouh, tu vois, il va falloir se calmer. Non. Ah ouais, non, là, c'est. Oh, il est énervé. Oh non. Oh, la grenade. Ok. Oh. Ah, ok, la paranoïa, attention, qu'est-ce que ça va. Ah, bah non, forcément, eh oui. Ok, on va. Ah là, serait. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh non, non, il a vu. Oh, il s'est pris la sauce. Non, oh. Wouh. Bien ça. Ok. Bien, ça, c'est lourd ça. On prend du poil de la bête du côté de la stock. It all comes to this. On peut reconnaître quand même que Phoenix a vraiment une. C'est quand même a réussi un petit peu à s'adapter, à ralentir un peu le jeu. Attends, bah oui, mais bon. J'ai tout vu. Il sait pas avoir Phoenix, il est pas né de la dernière pluie. Et la bonne perte de patience qui était failli être trouvée. Ok. On va pas falloir se précipiter du côté de voir, mais continuer de mettre du rythme. Oh, ça kiffe là dans le rythme. Ah non. Ok. Non, ah non, c'est terminé. Et c'est la victoire de Phoenix, un très beau set. Là, franchement. C'est bien noté. Je sais pas ce qu'il a vu exactement dans le jeu de Schwartz. Mais en tout cas, il a réussi à vraiment trouver de très très belles phases de combo et ça lui a bien réussi à reprendre le contrôle de la game. Et quand vous avez une game comme ça qui vous échappe des doigts parce que le début de la game c'était tellement explosif, c'est pas facile et c'est très bien joué de la part de Phoenix. Non, franchement, putain, c'est. Oh, une game tapeur, hein, franchement. non, c'est un très beau. Enfin, je veux dire, un set tapeur, hein, franchement. Oui. Un set. Oh là 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 là.